Rennes 8e reçoit Lyon 3e. Cette rencontre est un bon souvenir pour Julien Stéphan. Le premier match sur le banc du successeur de Sabri Lamouchi était un Lyon-Rennes et le Stade Rennais s'était imposé 2-0 sur le terrain de Lyon. Cette fois-ci, le contexte est différent. Les Rennais ont quitté la Coupe d'Europe et espèrent se qualifier de nouveau pour l'Europa League, alors que Lyon est en chasse de Lille pour la deuxième place de Ligue 1 Conforama. Match qui s'annonce très disputé. C'est également une rencontre particulière, puisque quelques jours après ce Rennes-Lyon, il y aura un Lyon-Rennes en demi-finale de la Coupe de France. Premier tiers du match en faveur du Stade Rennais. Une tentative de James Elea Siliki. Réponse lyonnaise avec ce coup franc, le poteau pour sauver Rennes. L'action n'est pas encore terminée avec cette reprise de la tête à côté. Énorme opportunité pour Nabil Fekir, le capitaine de l'OL. Bruno Genesio sait que son équipe est en train d'insister et peut marquer le premier but du match. Fekir encore avec ce ballon placé, mais pas suffisamment dans le coin du but. C'est à l'extérieur du cadre. Encore une possibilité avec un centre en retrait et la frappe immédiate de Memphis Depay directement dans les gants de Thomas Koubek. Lyon accélère avec notamment ce long ballon sur coup franc. Personne ne marque en première période, 0-0. Rennes s'en sort plutôt bien et Lyon n'est pas encore récompensé de ses efforts. Les Rennais ont du mal à accélérer et donner un bon tempo à la rencontre. Toujours une opportunité lyonnaise en seconde période avec cette reprise de la tête sauvée quasiment sur la ligne. Une très bonne chance pour Marcelo. Enfin une réponse rennaise, les Bretons dans la surface avec ce dribble et la sortie d'Anthony Lopez. Deuxième chance sur le centre, la petite déviation intelligente de Jérémy Gélin. Ben Arfa a provoqué cette opportunité, lui l'ancien Lyonnais formé à l'OL. Rennes reprend des couleurs en seconde période. Ismaël Assar pour le tir, c'est contré. Deuxième chance à l'extérieur du but gardé par Anthony Lopez. L'international sénégalais ne parvient pas à débloquer la situation. Rennes est un petit peu mieux. C'est le moment choisi par Bruno Genesio pour lancer sur le terrain Martin Terrier à la place de Moussa Dembélé. Il reste un quart d'heure à jouer. Ballon récupéré par l'Olympique Lyonnais. Bertrand Traoré sur le côté, le Burkinabé décale pour un centre vers Martin Terrier pour le 1-0 à 4 minutes de la fin du match. Les Lyonnais se sont bien battus. Traoré pour Dubois, Dubois pour Terrier. Cinquième but de la saison pour Martin Terrier. 86e minute. C'est un coup très dur sur la tête du Stade Rennais. Les joueurs de Julien Stéphan ne s'en relèvent pas. Il y a bien ce coup franc de la dernière chance, mais qui ne donne rien. Succès très important de Lyon, 1-0 sur le terrain de Rennes.